Qu'est-ce que t'as, Nini? Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Non, tu t'en fous. Ah d'accord, il vous a fait un câlin. Eh ben, Ninouche. Il vous a fait un câlin. Bonjour les cops. On est mercredi matin. Il est 8h08. Je travaille à 9h, donc je vais aller sortir mon chien vite fait, allumer mes PC, je vais commencer à travailler. Je vais essayer de pas faire trop de bruit, sachant qu'il y a mon fils qui dort, même si, à mon avis, il va se réveiller très très vite après. Et voilà, aujourd'hui, programme de la journée, télétravail, devoir à la maison, lecture, je dois récupérer des sous suite à la vente d'un vélo de chouchou, normalement cet après-midi, vers 1h. C'est un voisin, donc pas de panique, pas d'inquiétude particulière. Hop, et en plus, c'est un gars qu'on connaît très bien, qu'on connaît depuis. Enfin, moi je le connais depuis que je suis au collège, donc absolument pas de crainte particulière. Et voilà, c'est tout, c'était pas mal. Hop, ce soir, je sais pas quelle heure va rentrer Chouchou. Je suis contente parce que je l'ai gagné deux fois au Shifumi. Je sais pas si vous connaissez ou comment vous appelez ça, vous, en règle générale. Nous ici, on appelle ça comme ça. Enfin. En fait, moi j'appelais ça le pierre feuille ciseau habituellement. Et depuis que Chouchou est entré dans ma vie, même peut-être un petit peu avant, j'appelle ça le Shifumi maintenant. Bref, en tout cas j'ai gagné deux fois, je suis trop contente. Du coup, plus de lit, plus fini, finito pipo, comme dirait Grégory et Maëva dans les Marseillais. Bref, allez, je vais sortir mon chien et je vais aller déjeuner vite fait, après me brosser les dents et après c'est parti. Non mais tu vas m'aider à préparer à manger hein. Bon les cops, ça y est, il est midi. Oh, je suis contente parce que j'en avais un petit peu marre. Ça commence à être compliqué là, télétravail avec le petit à côté, c'est pas évident. Mais ça va le faire, ça va le faire. Ce midi, concombre, peut-être un petit peu de tomate cerise. Enfin, on va faire un petit truc froid je pense. Par contre, il fait hyper froid dehors. Je n'ai pas franchement choisi le bon jour pour faire du froid, mais bon. Voilà, hein. On va faire ça et je pense que je vais lui faire même... On va faire ça et une pizza. Oui, je sais, j'avais dit que je mangerais mieux, mais je le dis tous les jours et à chaque fois ça donne ça. On pourrait se faire ça avec un concombre, ça ira très bien. Voilà, ça sera à peu près équilibré, faut le dire vite. Hein. Et du coup, dans 1 heure, il faut que je sois prête à descendre parce que du coup, je vais récupérer des petits sous-sous. Voilà, les sous-sous vont être gardés par Chouchou pour pouvoir s'acheter la nouvelle console Xbox, je sais pas quoi, enfin bref. Il se fait son petit micmac, je le laisse faire, il n'y a pas de souci particulier. Donc voilà, je pense que je vais gronder Nolan aujourd'hui parce qu'il ne s'est pas habillé, il n'a pas fait son lit, il n'a pas ouvert son volet, il s'est à peine brossé les dents je crois, et il ne veut pas venir m'aider à faire à manger. Allez, dépêche-toi. Je t'ai demandé, Nolan, que quand tu te lèves, que tu déjeunes, que tu défasses ton lit. Donc, d'accord, mais t'as fait que ça. Ton lit, il est pas fait. Tes habits, tu n'en as pas mis. Le volet, il est pas ouvert. La fenêtre, elle est pas ouverte. Oui, parce que je viens de l'ouvrir, Nolan. Allez, on se bouge le popotin, là. Zo, dépêche-toi. Je te laisse une dernière chance. Allez, dépêche. Tu vas pas me regarder, tu vas voir. Tu vas me manger. Fais gaffe, hein. Non. Pas de bataille de doudou. Allez, dépêche-toi. Non, pas de bataille de doudou, dépêche-toi. Allez, je prépare la pizza, dépêche-toi, mon chéri. Bon, je suis dégoûtée, je viens d'aller chercher mon courrier, j'ai reçu des masques que j'ai commandés sur Amazon. Je pensais en avoir commandé 50 pour 9€ en masque enfant, en tissu classique, j'en ai reçu que 10, je suis dégoûtée. Et en plus c'est même pas le modèle que j'avais choisi, je suis dégue. Bon après c'est quand même assez mignon quoi, mais Nolan me dit que ça fait un peu trop bébé. Il va quand même les prendre parce que pour le coup ils sont à sa taille, ça sera plus pratique pour l'école. Mais je suis dégue parce que j'en ai reçu que 10 au lieu de 50 quoi.
Je me suis faite bien rouler sur ce... Heureusement, j'ai commandé, j'ai commandé chez quelqu'un qui est en France. Donc je suis un peu deg, c'est pas grave. J'ai fait une autre commande sur AliExpress. De toute façon, les masques, ils viennent de Chine. Donc qu'ils viennent de France ou de Chine, peu importe, en fait, ça sera la même chose. Puis, de toute façon, le Covid est aussi en France. Donc que ce soit en Chine ou en France, maintenant... C'est plus trop, ça fait plus trop grand, vous me dire grand chose, après vous me direz ce que vous en pensez. Mais enfin moi on me la fait pas, hein, clairement, ça vient de Chine, donc que je les prenne en Chine ou en France, voilà quoi, ça change pas grand chose. Peut-être la stérilisation des produits, et encore, vu comment c'est emballé, ça doit pas être très stérile dans le temps quoi. Bref, on va manger, et ben, j'ai envoyé tout le temps un mail à Amazon pour leur dire où sont les 40 autres s'il vous plaît. Et on verra bien ce qu'ils me répondent, allez. Il est midi et demi du coup. Voilà, midi et demi, on va manger. Et après il faut qu'on fasse les devs un petit peu avec Nono avant que je reprenne le boulot. Le montage du coup, ce sera pas ce midi, ça c'est clair. Ce sera peut-être ce soir. Et encore. C'est une chambre à peu près bien faite. C'est ça ton devoir? Non, c'est de la lecture que t'as à faire. T'essaies de m'entourlouper avec des trucs faciles toi. Je te connais, t'as pas froid comme ça? T'aurais pu mettre un t-shirt mieux que celui-là. Oui, bon, on verra ça plus tard. La lecture d'abord chérie. Avoir du mal à se nourrir. Comment ça, avoir du mal à se nourrir? Bon. Ils quittent donc leur région pour rejoindre des pays plus chauds où ils vont trouver plus de nourriture. C'est ce qu'on appelle la migraine, la migration. Tu vas faire un petit peu d'écriture du coup, Nono? C'est la maîtresse qui a demandé que je t'achète ce bouquin. La maîtresse elle a demandé que j'achète un cahier d'écriture comme ça à Nolan. C'est pour l'entraîner à faire vraiment les bonnes lettres, les belles lettres et tout. Du coup j'ai pas trouvé le CE1, CE2, CM1. Du coup je lui ai pris le CE1, CE2, ça correspond largement à ce qu'il a à faire. Et du coup Nono, tu vas faire la lettre que tu veux, tu choisis au pif. Tu fais une lettre et tu me fais un chiffre. Le thé. Ah vas-y, fais-moi le thé. T'as vu qu'est-ce qu'il faut faire, Nolan, par contre? Je peux faire avec ça. Non, non, avec un stylo. Et même, ouais, avec un stylo. Ok, Nono? Alors, le thé, commence. Allez, je te laisse faire, tu me finis toute la page, ok? Toute la page, ok. Allez, je reviens. Bon voilà, devoir fini, enfin lecture faite. Je vais aller m'attacher les cheveux, enfin m'attacher les petites franges que j'ai derrière là qui m'énervent. Et après je vais me poser un peu du coup. Nolan, t'as pas éteint la télé dans la chambre? Voilà. C'est jamais très beau mais c'est toujours très efficace. Allez, je sais pas si je me pose sur mon canapé devant une vidéo, si je me pose dans mon lit. Si je me pose dans mon lit je me relèverai pas et puis ça sert à rien parce que le pote de chouchou il va... Je vais pas tarder à sonner donc je vais peut-être mettre dans mon canapé. Comment? Tu sautes combien de carreaux? Tu sautes combien de carreaux? Tu en fais autant que tu peux. Bah c'est très bien là. Et t'en fais un dans chaque carreau, regarde. Mais je saute combien de carreaux? Mais tu sautes rien de carreaux, y a pas besoin de sauter de carreaux. Okay, t'en fais un dans chaque carreau. Mais oui c'est bon, c'est pas... C'est que des lettres. Non non, y a pas de au pire, c'est tu me fais un T dans chaque carreau. Eh oui. Voilà, c'est tout. Hop. Il fait très noir dans la maison. Très très noir.
Bref, je vais me poser, je vais regarder des vidéos. Et ouais, je vous reprends tout à l'heure si je peux, sinon je vous reprendrai ce soir. Bon, mais finalement le pote de chouchou passera ce soir. Apparemment il faisait la sieste, il a fait la grosse grasse matinée. Du coup là il est 2h30 dans pas longtemps. Je vais, je suis en train d'imprimer quelque chose avant de remettre le Netflix à Nolan. On a bien travaillé du coup entre midi et 2, je suis contente. C'est écrit un peu petit. C'est écrit un peu petit. Je me suis fait un espèce de mémo. Oh, il y a des chances que je... Il y a des chances que j'arrive à modifier. C'est pas grave. Au moins, ça me fait un tableau plus petit parce que là, elles m'ont fait un tableau immense sur 2 pages, sur une page à 3. C'est pas du tout pratique du tout pour travailler. Donc, bah, du coup, j'ai... Ah, mais t'es un jour au pied. Bon, bref, on verra ça tout à l'heure. C'est pas grave, chérie. On verra ça plus tard. Bon, bref, du coup, je repars travailler dans quelques minutes. Donc, bah, c'est parti. Comment ? Oui, je remets. Ouh, je vais me faire engueuler, dis donc. Hop, allez, hop, j'ai remis play. Je vais remettre mon téléphone à charger. Parce que du coup, ce soir, si je veux regarder des vidéos, j'aurai plus de réseau. Enfin, j'aurai plus rien. J'aurai plus de batterie plutôt. Oh là là là. Je vais aller faire un petit pissou vite fait. Et après, let's go. Et c'est quoi votre nom, monsieur, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un téléphone pour vous joindre et une adresse mail, s'il vous plaît? J'ai pas d'adresse mail au secrétariat. Bonne journée, au revoir, merci. Allez, dépêche. Bon, il est 6h30, j'ai fini de bosser, enfin. C'était mouvementé, ça a été quand même dans l'ensemble. J'ai installé mon classeur, il est tout crassouze. Je sais pas si vous voyez les taches noires là. J'aime pas moi quand mes affaires sont sales. Voilà, donc j'ai mis mes petits papiers à jour. Je suis en train de ranger mon bureau. C'est pas trop le bazar, ça va encore, c'est pas pire. Faut juste que je mette mes écoutilles à pencher. J'ai mis mon petit fil ici. Mon chat a fait que m'enquiquiner toute la journée. Il a attaqué Fidji. Pardon, je suis pas du tout cadrée. Il a attaqué Fidji, donc Fidji se mettait en colère. Après, il est venu carrément squatter sur mon bureau. Style de rien, bouge pas, je vais m'installer ici devant ton clavier. Après, il a sauté sur le meuble ici. Alors là, c'est un petit peu en bazar, mais il se mettait le long du mur ici pour pouvoir venir me voir. Donc bah, quand je le poussais, il poussait la télé. Il a failli faire tomber la télé. J'ai eu un petit coup de chaud tout à l'heure parce que j'ai vu la télé bouger et tout. Je me suis dit, oulala, s'il l'a fait tomber, on est mal. Tiens, vas-y, mon aîné. Vas-y, tu vas aller dehors. Vas-y. Voilà. Et voilà, bon, du coup, c'est bon, rien n'est cassé. Mais il m'a cassé les pompons toute la journée. Il va falloir que je sorte Fidji parce que le pauvre, il a peut-être envie d'aller faire pipi. Nolan, au lieu de jouer avec la balle, je t'ai demandé quelque chose. S'il te plaît. Hé hey dépêche-toi. Hop. Ça c'est fait, faut que j'éteigne la télé que Nolan n'a pas éteint. Voilà. Du coup Nolan il a fait de la lecture un petit peu, a fait de l'écriture, a fait du dessin, a joué. Enfin il a pas passé que sa journée devant la télé, il a passé une grosse partie devant la télé. Mais dans l'ensemble il s'est quand même stoppé au moment où je lui ai dit. Et franchement un régal quand il est comme ça, j'adore. C'est plus agréable que de devoir crier entre deux appels. Pour le coup là c'était pas le cas du tout, donc c'était vraiment très 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 agréable. Oh là là, du coup, chouchou, alors je sais pas si je vous l'ai dit, mais à midi, du coup, j'attendais qu'on me fasse sonner en fait à l'interphone pour que je descende récupérer des sous-sous. Et en fait, bah, le gars n'est pas venu en fait, le copain de chouchou n'est pas venu, ce qui fait que bah, j'ai pas eu les sous-sous. Et en fait, il avait une grasse mat apparemment, son pote, du coup, il était pas du tout disponible pour me voir, enfin pour venir me voir. Du coup il a dit qu'il passerait surtout sur vers 6h30, donc là il devrait pas tarder. Je me demande si chouchou n'est pas d'ailleurs en bas en train de discuter avec lui. Je vous garantis rien, en tout cas c'est ce que je pense parce que... Ah bah t'es, il est là, ouais. Je me demandais où est-ce que t'étais. T'étais en train de discuter, ouais. Ouais, voilà. Bon bah voilà, chouchou est là, il est arrivé. Oh t'as changé ton pantalon. Ouais, t'as vu l'autre, tout déchiré et tout. Ah non, j'ai pas vu. J'avais froid, ça rentrait l'air là. T'es bien dans ce pantalon? Ouais, faut juste que je voie ma mère, ça peut me faire. Ouais, faut lui qu'elle demande de faire se dérouler, oui, parce que je vais sûrement pas nettoyer les cailloux qu'il y aura dans tes ourlets, je te préviens. Tu m'as pris? Tu veux prendre mon boulot? Hein? Tu m'as pris? Tu oui, mais pas avec tes cailloux, non merci. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Bon, du coup, on va manger. T'as eu, c'est bon, t'as eu ce qu'il fallait? Ouais. T'as recompté? Ouais. Tiens, Nono, ça a arrangé? Ça a arrangé. Allez, où? Qu'est-ce que tu fais là, boxeur? Qu'est-ce que tu fais là, boxeur? N'importe quoi. C'est pas des faux? Des faux?
Mais non, c'est pas des faux. C'est ce que je lui ai dit. Tu lui as dit, c'est des faux? C'est de rien, ouais, c'est avec toi. Hein. Et oui. Bon, voilà. Du coup, on va manger maintenant que Chouchou est là. Nolan, chaussons aux pieds. Nolan, chaussons aux pieds. Excité. Chaussons aux pieds et le peignoir, s'il te plaît, pour pas que t'aies froid. Et tu me ranges ton cahier. Voilà. Bref, du coup, viande rouge ce soir avec je sais plus ce que j'ai prévu d'autre. Je vais voir. Avec Chouchou. Et ma foi, bonne journée de fête hein, de plus. Hein. C'est pas évident de travailler avec Nolan à côté, mais bon, il a franchement, il a pas été désagréable ni trop chiant, mais c'est vrai que ça met toujours un petit coup de chaud, quoi. Hop là, votre commande, c'est quoi ça, votre commande? Bref, je vais regarder ça tout à l'heure. Je vais aller faire à manger du coup. J'ai froid avant même d'aller dehors. Je suis gelée. Mon chien est déjà parti. M'attends pas, hein? Ah, tu m'attends pas. Tu fais vite pipi Fidji, d'accord? Tu fais vite avant que tu vas vite dehors. Allez, petit pipi rapido Fidji. Parce que là, ça frise. Je suis sûre que je fais de la fumée. Oh, je suis gelée. Il fait hyper froid dehors. Et après, je vais rejoindre mon chéri. Mon chéri. Oh, il fait trop froid. Hein. Oh, je tremble et tout, regardez. Bon, du coup, Fidji est parti faire son petit tour, là. Voilà, il va tourner pendant 10 minutes à peu près, 10 minutes, un quart d'heure. Et après, je vais remonter, sortir, enfin sortir. Et après, je vais remonter, on va aller se coucher. Je tremble tellement, j'ai froid. Je suis désolée pour... ça stabilise pas trop la vidéo. Mais voilà, j'ai trop trop froid. D'ailleurs, je vais clôturer le vlog ici. Il n'aura pas été folichon, folichon. J'ai passé beaucoup de temps ce soir à faire de la lecture à Nolan. On a lu tout un livre. Je suis désolée, ça tremble. Et ouais, on a bien lu. Nolan était content de la lecture. Et puis, on a bien rigolé aussi parce qu'on n'a pas vu ce qui se passait à la fin. Et du coup, on a découvert en fait ce qui se passait à la fin. C'était assez rigolo. Donc, on est content. On a lu un livre de Ratus. Donc voilà, du coup, j'ai pas beaucoup filmé à ce moment-là. Oh, je suis désolée, je suis obligée de clôturer parce que j'ai trop froid. Je vous fais des gros bisous, je vous raconterai ça demain dans le prochain vlog. Ciao!